Yahoo Bidibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec une cutis donc brune, parce que la dernière fois que vous l'avez vue, c'était en... la vidéo sortie en octobre. Ouais, en octobre. Et elle était toute blonde, donc maintenant on l'a en brune, voilà. Au niveau de mon maquillage, qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude, je t'inviterai donc du coup à aller voir sur la chaîne EB World, j'aurai posté du coup le maquillage que cutis m'a fait. Et je m'excuse pour mes ongles. Manque de temps total. Voilà, qu'on ne le fasse pas à la réflexion. Ouais, mais t'as dit, je l'ai même pas vu. Non, mais moi j'ai des commentaires. Ouais, tes ongles, c'est pas fait. C'est... Bon. Tu veux commencer par. Quoi? Bah, au pire, laisse tout dans le sac et on pioche. Ouais, on pioche au hasard. Okay. On pioche là. Vas-y, les DM d'abord. Ouais. On va prendre vers le fond. Ah ouais. J'ai pris, c'est quoi, des chocolats comme ça? Ouais, c'est des trucs. Des Kit Kat. Oui. Chocolaterie. Ouais, au fruits secs, amandes, je pense que ça doit être la... Je pense que c'est mal parti pour ça, je pense que j'ai pas aimé. Bah... Parce que j'aime pas les fruits secs, alors on va goûter, mais... C'est bien, c'est que c'est une fermeture machin, donc au pire, je peux repartir avec sans... Ah, c'est en forme de petite bouboule. Ah bah oui, comme sur l'illustration, ouais. C'est vrai que eux, ils c'est sont... comme les Kit Kat Balls qu'on a, mais nous c'est tout chocolat, ouais. Chocolat blanc. Tiens. Hop, comme ça. Oh, c'est bon, il a ça fait des mises au point, mais alors... Ah ouais, ça se fait tout seul en plus. Là, vas-y. J'aime bien. On sent le gâteau du Kit Kat, on le reconnaît, ça c'est clair. Ça va, moi ça va. Je pensais que j'allais pas aimer, mais ça va, c'est bon. Tu vas repartir avec. C'est bon, mais je pourrais pas tout manger. Non, mais il y a tes parents. Non, mais... C'est bon, mais c'est bon une fois, tu vois. Genre, j'aime pas trop les fruits secs. Oui, mais tu peux donner à tes parents. Non ? Ma mère fait un régime, alors... C'est à Saint-Valentin. Ouais. Ah bah moi, c'est les chamallows. On va goûter ça. Ah bah oui, bien sûr. C'est quoi la différence entre un chamallow et un marshmallow ? Tu ajoutes le nom. Mon pote, ouais, tu voilà. Sais, c'est... Regarde, c'est comme chocolatine et pas au chocolat. C'est la même chose, mais ça n'a pas le même nom. J'ai fait une jolie ouverture. Voilà. Tu veux quelle couleur? Blanc, rose, jaune. Moi, je prends un rose. Bah moi, c'est un blanc, non? Blanc. Je crois qu'il est... Non, il est un peu rose. Ouais. Oh, c'est tout mieux, j'adore ça, moi. Après, ils ont rien de spécial. Hein. Je crois que c'est à la banane, le mien. Mais ce serait pas plutôt le jaune qui serait la banane? Ben, je me demande si c'est pas un jaune du coup. Mais non, regarde, ça c'est jaune. Ou au melon. Il est au melon le mien. Moi, le mien est au melon. J'aime peut-être pas. Peut-être un petit fraise. Ah, j'ai pas. Non, j'aime pas ça. Attends. Décaler un petit peu pour zoomer un petit peu. Voilà. Celui-là, non. Moi, je vais goûter. Tiens. C'est à quoi celui-là? Je sais pas, mais. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi je goûte ton blanc. Ça c'est au melon. Ouais. Melon. C'est poudreux. Non, j'en veux pas d'autre. Ah non. C'est poudreux, c'est. Pourquoi j'ai ton rouge à lèvres là? Bah ça c'est une très bonne question. Ah non, bon les marshmallows c'est pas validé. Non, du tout. Oh, on devrait mettre des notes sur 5. Bah oui, j'ai pris ça. Oula, on est dans la merde. C'est un truc à faire. Il faut de l'eau. Eh ben, je sais pas. On fait comment? On le met de côté, on verra tout à l'heure. Ça, moi, je mettrais 3 sur 5. 2 sur 5. 2,5. Et ça, 0. 0. Ça, c'est pas bon du tout. Non. Donc, quand je repioche un truc. Alors, on va juste prendre ça. Les chips au chocolat. Les chips au chocolat. Voilà, je pense. De toute façon, ouais. Après, moi, j'ai fait des photos hier soir pour mon compte Instagram. Ça a l'air quand même d'être. C'est marqué que c'est du sel. Genre, ils ont gardé les chips salés. Ils n'ont même pas sucré. C'est ça, salé sucré. En fait, c'est un mélange. Ouf. Est-ce que ça va être bon ça? Déjà, moi, j'ai rincé la bouche parce que les chamallows, ça va pas. Ouais, non, les chamallows, ils étaient vraiment pas bons. C'est ça, c'est marrant.
Ça sent la chips, c'est tout. Je trouve pas que ça sent autre chose. Si, il y a un petit chocolat au fond. Bah après, moi j'ai un peu de nez bouché alors. Et en plus, la marque Kelby, c'est une marque que je connais bien au niveau des chips. Bah écoutez. On va voir si c'est bon ou pas. Hein. Voilà. Vas-y. Alors là, t'en prends 36. Vas-y, tu prends 36. Hop. C'est ça. C'est rigolo. Ça sent un peu. Ah, j'ai jamais dit que tu m'aimerais après cette vidéo. Hein. C'est un motif de divorce, c'est ça? C'est pas très bon, quoi. C'est pas mauvais. Mais déjà... Oh non, l'arrière-goût de chocolat qui est bien en fond. Alors là. C'est le sucré-salé où j'ai du mal. Ah, mais moi j'aime c'est pas une chips. À quel moment, par exemple, t'as une idée de mettre une chips plantée, par exemple, dans du, on va dire du Nutella, parce que c'est le mot que tout le monde reconnaît, mais que la pâte genre, à tartiner, je trouve ça dégueulasse. Moi j'ai une anecdote, c'est lors d'un... J'étais en primaire, ouais. Lors d'un repas, c'était un repas gastro... Enfin, un repas genre, ils mélangeaient les saveurs et tout. Mm-hmm. On a eu un poulet nappé de chocolat. Oui, oui. Remarque, moi j'ai une de mes amies cosplayeuses qui est de Marseille, elle avait fait des yakitori trempés dans le vrai pot du vrai Nutella. Ah oui, non, mais c'était vraiment le poulet, genre la cuisse de poulet, qui était recouverte, mais de chocolat. Et moi j'étais en mode... Ok. J'avais... Non mais c'était dégueulasse, on va pas se mentir. Désolée pour le mot, mais on va pas se mentir. Du poulet au chocolat, c'est dégueulasse. Je fais deux trucs. Non. Qu'est-ce que c'est? Oh, si ça pique, je vais être trop contente. Pourquoi? Ah oui, parce que tu vois un éclair. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un gâteau, un truc, une connerie. Pourquoi il peut la mettre du coup sur encore sous ta tête? Non, c'est bon, ça l'a fait. De toute façon, j'ai fait des photos au pire. Ah ouais, j'ai fait mes petites photos bien Instagrammables. Et après, le pire, c'est qu'on va aller manger. Ouais. Ah, c'est une barre énergisante. Ouais, je pense. Caché. Allez, fais profiter. C'est bon, ça s'est fait, ça s'est fait. Non, tu le... Ah oui, si, ouais, d'accord. Je vais pas manger tout ça. Vas-y, des bobas croquer dedans. Du coup, j'aime ça. On remarque si on a une sucette à partager, on va quand même couper l'ange. C'est bon. En fait, si je vais manger tout mon morceau. Tu en veux pas? Non, mais mange. J'ai faim. C'est petite précision pour ceux qui... Je les sens venir. J'ai pas pris de 10 heures. Parce que je mange un truc à 6h30, 7h au petit-déj. Et d'habitude, je prends un truc à 10h. Et là, elle peut confirmer, je n'ai pas pris. Ouais, non. On peut donc me maquiller, j'ai dit, dépêche-toi, j'ai la dalle. Alors, ça, c'est bon. 5 sur 5. Ah oui, on n'a pas... Ah oui, les filtres, 1. Aussi. Ça, 5 sur 5. Oui, t'es d'accord, on l'a mis en même temps. Je vais rattraper encore un gros truc. Oh, ça, alors ça, j'ai envie de te dire, ça me fait très très envie. Oui, ça aussi, c'est le seul truc qui m'a fait envie en fait. C'est des. C'est un c'est snack. Bon. C'est un plat traditionnel japonais. Okay. J'ai l'impression qu'il y a des poivrons et tout, donc ça doit piquer un peu. Parce que je veux dire, c'est le surnom ou le nom de l'objet bistrot. Ouais. Mais ils aiment bien mettre des noms français et tout à leur marque. Je sais. Nous, on est là en mode. Savez, tu sais que, je crois que c'est Togen de la chaîne coréenne qui a un resto, je crois, en Corée qui s'appelle Ta Gueule. Ouais, donc, trop bien choisi. Il y en a, ils choisissent des noms, ils savent pas ce que ça veut dire et tout aussi. Oh putain, ça je vais kiffer. Oh, ça sent tellement bon. Désolée pour la grossièreté. Attends, mais... oui, par contre. Ah, bah voilà pourquoi. Ah, oui, parce que tu en as mis partout. Je vais boire parce que sinon j'ai encore le goût du chocolat. J'avoue, on n'a même pas dit que c'était une barre au chocolat. Oh, ça s'est vu quand je l'ai montré. Ouais. Ça sent bon. Ah bah, je suis déçue de ouf. Je trouve pas ça très bon. Ça a le goût de légumes.
Non, ça va. T'as vu, ils ont écrit bistrot, après ils ont écrit en anglais, en jap, en toutes les langues quasiment. C'est pas mauvais, mais... Ah, oh, je suis déçue. Ça fait gâteau apéro comme on a chez nous. Oh, oh, je suis déçue. La grillade, enfin, ou viande. Voilà. Je trouve que ça a le goût de bouillon de légumes, moi. Mmh. Mmh. Ah ouais, non, j'aime pas. J'ai l'impression de boire... C'est du bœuf. Ouais, mais j'ai l'impression de manger un truc genre... Le bouillon de légumes de la cantine, quoi. Non, non. C'est au bœuf. Si, tu connais celui qui va tout le temps au restaurant asiatique près de chez lui et qui prend tout le temps du bœuf oignon. Ah ouais, non mais moi... Ah, mais c'est ça, c'est l'oignon. Ah, oh, j'aime pas. Non, moi, je pense qu'ils ont compris que... Pas validé, je mets deux. Parce que c'est pas non plus très... C'est meilleur quand même que les chips au chocolat, donc 2,5. Ah mais il va finir le paquet. Ah non, oh, je suis... Oh, 417 calories, non. J'ai encore le goût en bouche, ah non. Parce que là, après, je crois qu'on est sur du chocolat blanc, alors. Ça, c'est le défaut de la Candy Sandbox, je trouve, c'est qu'on te demande pas si tu aimes le chocolat blanc, le chocolat noir, des trucs comme ça. Moi, tant que c'est pas du chocolat noir, j'aime ça. Et pour l'instant, le coup de cœur, c'est la barre. Ouais, la barre avait 5. Mais, oh. Du coup, c'est à moi de piocher. Ouais. Je suis désolée. La sucette. Mais c'est pas grave. La sucette au goulet. C'est évident parce que tu vois le bébé. Il est en forme de vache. Voilà, et la combinaison vache. Vas-y. J'adore ta tête. Je te la laisse. C'est cadeau. Il y a plein de make-up. C'est ça aussi de me mettre un rouge à lèvres là qui laisse des traces. Bah non, mais il laisse pas de traces avec le normalement, mais comme on a mis un gloss. Ouais. Ah non, c'est pas validé. Ça fait un peu les périmés, j'ai envie de dire. Et c'est pas genre, j'avais l'impression en gros d'avoir mon Actimel mais en format liquide, quoi, en format solide. Donc ça, mais t'as pas mis de notes. T'as pas mis de notes pour les gâteaux. Si, les gâteaux, j'ai montré, j'ai mis 4. Ah, 4? T'as même pas mis 5? Non, parce que la barre chocolatée était mieux. Ouais. Ça, ça, je mets 1. 0. Ah, oui. C'est donc le chocolat Milky. Mais cette fille-là, elle est même sur les... Comment ça s'appelle? Les trucs études house, les produits études house. Alors ça, le chocolat au lait. Oh mais il y en a plein en plus. Oh c'est trop mignon. Oh bah tu vas pouvoir partir avec, ça sera pratique. Une petite boîte et tout, c'est trop mignon. Oui bah attends, encore faut-il que ça soit bon. Mais sinon tu refileras à tes parents, non. Mes parents ils aiment pas le chocolat au lait, ils disent que c'est pas du vrai chocolat. Ah le chocolat blanc. Ouais. Pour eux c'est que chocolat noir. Bah je m'entendrai bien avec eux, Pia. Mon frère, pareil. Ouh. D'ailleurs, on a fait un swap avec Ibi et je lui ai donné le deuxième hamburger à mon frère, il était content. Ah. Je me cache. Ça l'a pas fait, ça l'a toujours pas fait. Mais appuie sur l'écran au pire. Ah, voilà. Ça l'a fait. C'est bizarre. C'est un petit F. Oui. Ouais, ça va avec mon famille. Moi, ça me rend pas du à la bouche. Non, moi j'aime pas le chocolat blanc. Donc. Ah! Comme des bonbons. Regarde, le chocolat blanc, pas mon délire. Si en plus ils me mettent des trucs chelous dedans. J'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Ça va, tiens. Hop, hop. Quand il est déjà blanc. Non, j'aime pas. T'aimes pas? En fait, c'est les petites billes qui donnent un goût fruité. Toi, tu pioches ça, tu dis même pas encore une fois. Moi, j'aime pas le chocolat. Ouais, d'accord, bah, 1 ou 0, comme vous voulez. Moi, je dis 2. Je mets 0 et je mets 1 à la sucette à choisir. Ouais. Non, moi, je mets 2. Et pour l'instant, t'as quand même une box. Bah, Saint-Valentin, c'était un peu dangereux. Hein. C'est toi qui as voulu jouer à ça. C'est un échec.
tout mignon. Alors, la fraise pour les roses et je pense que c'est mangue ou autre pour les... J'ai goûté, on va goûter... Bah les deux, on goûte un de chaque. Ah mais c'est des bonbons. Alors ça, ça je suis obligée d'aimer. Ah. Ils sont comme ça. Petite pu- montagne. Elles sont comme là. Alors attends, le orange, je sais pas c'est quoi le goût mais c'est bon. Et le rose, c'est la fraise, ça tu le sens. Ouais. Tu vois, je pourrais en manger deux mais pas plus. Qui elle comprend ou pas? En fait, j'ai l'impression que tous les goûts se mélangent là, ça va pas du tout. Bah, si tu bois pas à chaque fois. C'est meilleur quand même que le chocolat, alors je mettrai 3. 3,5. Ouais, j'avais pas vu, mais il y a des oiseaux là, il y a un nid d'oiseaux là. Bah, oui, il y en a là aussi. Il y en a là et il y en a à chaque angle. Ouais, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis habituée, ça va. Attends, moi c'était avril 2014 donc je venais commencer YouTube quand j'ai fait ma première dégustation ici. J'ai pioché un gâteau comme ça. Voilà. Et si j'ai bien compris c'est cheesecake et il y a des petits morceaux de fruits. Ouais. C'est de la groseille je crois ça. Ouais. Bah je goûterai un. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Toi, t'aimes pas ça? Non. Je suis pas fan des fruits rouges, donc déjà... Ah, mais en fait, moi, mes fruits se limitent à l'ananas, la banane et la pomme. Et pourquoi tu m'as pas demandé directement qu'on achète une box Candy Sun, là, les normales, pas la box du mois, comme ça? Moi, j'avais pas compris que c'était pour ça au début. Bah, si. Et regarde. Moi, il y a plein de machins. Oh putain, ça ma mère elle va kiffer. Tu veux finir bien? Oh non, je veux pas toi aussi. Donc bah ça c'est le gâteau, même le gâteau, j'ai pas trop aimé le gâteau. Je trouve qu'il est un peu citronné. Je mets un. Ouais. Je mets un aussi. Ça ma mère elle va kiffer. Elle va tester ça en faire. Je t'épouse. Ah mais... Ça me faisait penser un peu les gâteaux de vieux qu'on a chez nous là. Pareil avec des fruits secs dedans. Oh, j'avais pas vu l'arbre en fleurs. Je sais plus, ouais, plus comment ça s'appelle, mais. J'en ai encore coincé là dans les dents. Alors il reste 3 objets. 3 objets quoi. Ça se mange pas les petit, objets. Petit, moyen ou grand. Bah, tu fais celui qui t'attrape. Ça c'est quoi? Alors. Je crois que c'est à voir, j'ai déjà vu. Ça fait penser, ça fait penser aux Umaibo. C'est pas ce que c'est que les Umaibo? Non. C'est une sorte de gros curly goût. Si, c'est ça. Je crois que... Oui, je suis d'accord, c'est ça. Oui, je t'ai dit. Ah, c'était au chocolat, si. Ouais, ça ressemble à une Umaibo. Mais... Yep. J'allais te dire, viens, on croque dedans, mais visiblement, on croque pas. Ah. Bon, bah c'est tout cassé. Oh, j'aime bien. T'aimes pas? On a des goûts très différents, visiblement. Oh bah, de toute façon, derrière ça, on peut le dire, hein, qu'on a des goûts différents, parce qu'elle a essayé de sentir des bougies Yankee Candle. Ah oui, alors là... Bah on est totalement l'opposé en fait. S'il y a un truc, je kiffe. Elle kiffe pas. S'il y a le kiff, je kiffe. Du coup, si je veux lui offrir un truc, faut que je sente quelque chose que je trouve qui pue et c'est bon, ça y va. Bon, tout ce qui est odeur sucrée, toi, tu préfères les odeurs de fruits. Ouais. En attendant, comme ça, j'ouvre le truc le temps que tu finisses de torcher le machin. Le petit chocolat. C'est mignon. Ça me fait penser à. Comment ça s'appelle? Ah non, j'ai rien dit, c'est juste des carrés de chocolat. Ça normalement c'est censé être bon. Ça. Ouais. D'ailleurs t'as pas mis une note à ça. 0. Moi je mets 5.
Puis tout à l'heure, toi, t'aimes tout. Moi, j'aime rien. Et là. J'aime pas tout. Enfin, oui, non. J'ai pas aimé la sucette au lait, j'ai pas aimé. Oui, on a quand même eu pas mal de goûts. Non, mais tiens, regarde, c'est en deux temps, donc. C'est un peu des Tumble Run, quoi. Ou ça, c'est juste du chocolat. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Non, d'accord. Si, t'es fourré un peu. Mm. Fourré au chocolat. 4,5. 5. Ouais. Mais moi, j'aime le chocolat, donc. Et le dernier. Mais je pourrais pas le finir. Tu veux finir? Ah. En vrai, il finit tout, hein. Il finit tout, hein. Non, mais ça, je le charge dans la journée. Ça... On va pas le dire à maman. Ça a l'air bon. Je viens de penser à un truc. C'est que ma diététicienne a voulu que la prochaine fois je la vois, donc début mars, je lui refile le nom de mes chaînes. Non, mais ça va, t'as mangé un petit truc. Pardon, Nadège. Ça me fait penser, ça a l'air d'être bon, ça me fait penser un peu aux cigarettes qu'on a. Bah en fait non, c'est plus comme des Mikado, oui, mais à l'envers. Ok, ouais. C'est-à-dire que le gâteau est à l'extérieur, nous on a le chocolat par exemple, oui, à l'extérieur, et eux c'est l'inverse. Ouais, ok, je vois. Ils ont les deux, mais... Du coup je pense que c'est au goût. Bon bah tiens. C'est comme c'est ça. C'est au goulet. Oh putain, on va voir les machins. J'aime ça. Cadeau. J'adore. 5 sur 5. 6 sur 5. Voilà. 10 sur 5. C'est le meilleur truc que j'ai mangé. Tu vas voir qu'ils vont monter. Oh, c'est trop bon. Mais ça finit dans ton sac, c'est bon. Vas-y. Non, mais là, c'est bon, vous m'avez perdu, je vais boire ça tout le temps. À me boire, manger. Mais c'est trop bon, t'aimes pas ça? Non, je déteste. 0. 10 sur 5. Ah non, mais il y a la team salée, la team sucrée. Je suis désolée, moi j'ai trop bon. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, pourquoi pas la partager. N'hésitez pas donc à suivre Cuties, parce qu'on a déjà fait un sauf Saint-Valentin. Donc là, la vidéo va sortir à la chaîne. Et on a fait du coup le Otaku Bordeaux Tour ensemble. Et on va faire un deuxième épisode, parce qu'en fait, il y a de quoi faire encore un tout petit épisode. Donc voilà, et puis de toute façon, on va sûrement refaire d'autres vidéos ensemble. Et allez voir sur la chaîne du coup Ebi World pour voir le maquillage qu'elle a fait. Voilà. Ouais. Sur ce, à bientôt. À bientôt.